toujours 2 centilitres. On va venir ajouter du sirop molin de grenadine, toujours en quantité de 2 centilitres. Et pour apporter un peu d'acidité, 2 centilitres de citron. On va shaker. Et après, alors du coup pour shaker, on peut faire comme ça, c'est chacun sa technique. L'important c'est d'être confortable. Parce que quand on fait beaucoup de cocktails, si on n'est pas à l'aise, on peut vite choper une tendinite. Et là vous voyez, on voit le shaker qui se givre. Donc c'est froid dans les mains, donc là on sent que le cocktail est prêt. Après, pour le Boston, on va prendre le petit fil comme ça et on va venir verser dans le verre. Ensuite, pour la décoration, je vous invite ensuite à prendre une orange. Avec les cônes, on va venir donc chercher un zeste. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va prendre assez large hein, et long. Après, on va venir appuyer là pour donner tout le goût de l'orange au zeste. Et ensuite, avec l'écorce qui reste, on va venir ici étaler sur le bord du verre. Et après, en décoration, on peut laisser le zeste dans le verre.